Salut, eh bien sur la volée, on va faire un petit encart spécial gris et ticuli. Les aliens gris venant de la planète du système Zeta Reticuli et qui venaient a priori d'une planète nommée Apex. C'est la version proposée par Wes Penray en 2011 dans sa série de Wes Penray Papers, que vous pouvez retrouver sur wespenray.com. Je vais me servir là d'une vidéo qui avait été mise en forme par Ankaraman, qui a une chaîne sur YouTube. Voilà, je vais mettre cette page au cas où il y ait des réclamations sur les droits d'auteur des quelques images que je vais prendre. Et ça, c'est au niveau de la vidéo, ces renseignements-là. La vidéo dont je me sers sur YouTube. Au travers de leurs expériences génétiques sur les hommes, sans leur consentement, les gris ont plutôt mauvaise réputation. Puis, quand on voit et quand on connaît un petit peu mieux le phénomène, on remarque qu'il a fait partie des mythologies terrestres depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, ayons maintenant un regard à leur espèce, sur leur espace, un peu plus objectif. La planète originelle des gris s'appelait Apex et était située dans le système de la Lyre. Sur Apex, une guerre nucléaire a eu lieu et les habitants durent vivre sous le sol, sous terre, pendant des milliers d'années. À cause des radiations, leurs capacités reproductives ont été endommagées, ce qui fait qu'ils ont dû se résoudre au clonage pour s'en sortir et se reproduire, donc. Leurs corps ont muté et sont devenus ce que l'on connaît maintenant sous le nom de Zeta Reticuli. Des gris. Zeta Reticuli gris. Avant leur guerre nucléaire, les Apex avaient déjà des problèmes écologiques, un petit peu comme ici sur Terre. Il y a une utilisation des énergies à mauvais escient et ils avaient déjà énormément de problèmes. Ils se servaient notamment d'électrogravité dans un but très égoïste. En plus de cela, c'est-à-dire de cette pollution, ils ont été envahis par une race alien appelée les Verdants. Verdants, on va dire, qui venait d'une autre galaxie des milliards d'années de là. Cette invasion a donc donné lieu à la guerre nucléaire et les Apex capturés ont été transformés en soldats pour les Verdants. Les Verdants eux-mêmes étaient une très ancienne espèce, plutôt de nature reptilienne, qui ressemble plus ou moins aux gris qu'on a l'habitude de voir. À ses débuts, Apex ressemblait quasiment à la Terre, avec une nature abondante et généreuse. Et de la même manière que nous, les humains, les Apex étaient le résultat de multiples croisements entre différentes races, qui avaient donc commencé à explorer et à conquérir le secteur 9, a priori, de la galaxie, qui donc devait concerner ce secteur de la Lyre, si j'ai bien compris. Donc il y avait déjà une scission dans la population entre ceux qui adoraient la technologie et ceux qui la rejetaient. Et de la même manière qu'ici sur Terre, ça se produit. Un groupe là-haut a commencé à se servir de la technologie de manière très très destructive. Donc c'est vraiment une situation similaire sur laquelle on peut rajouter la surutilisation de l'énergie électrogravitique. Certains d'entre eux, toutefois, un peu plus malins, ont vu ce qui allait se produire et ont commencé à creuser sous terre des abris. Le problème, c'est que leur problème de pollution énergétique avait commencé à rompre le champ quantique de la planète au niveau énergétique, si ça veut dire quelque chose, tout ça. Et donc, ça a créé un warp électromagnétique dans l'espace-temps en robant la planète. Et alors que les habitants habitaient sous la surface de la planète elle-même a changé d'espace-temps, de continuum espace-temps, à cause de cette rupture subquantique. L'espace et le temps sont un petit peu comme un gruyère suisse et les planètes sont reliées entre elles par des trous de ver, je suppose. Donc, avec ce phénomène de warp spatio-temporel, la planète s'est retrouvée à un endroit très très éloigné de son point d'origine. Et donc, la planète Apex s'est retrouvée insérée dans le système Zeta Reticuli. Surprenant. Et donc, dans la plus grande ignorance, les habitants d'Apex continuent à vivre sous la surface. Donc, ils avaient adapté leur génétique de façon à ce que leur corps s'adapte mieux à ces conditions de vie sous la surface.
Et donc, avec le temps, ils ont développé des yeux plus grands, avec une cornée qui prenait plus de place, de façon à pouvoir absorber d'autres fréquences lumineuses, afin que leur corps et leur esprit puissent fonctionner de manière plus normale. Et ils ont perdu leur capacité de reproduction, ainsi que leur capacité digestive, puisqu'ils ne mangeaient plus de nourriture. Par contre, ils avaient appris à absorber les nutriments au travers de leur peau. Puisque le désastre nucléaire touchait toute la surface de la planète, énormément d'espèces se retrouvaient sous terre. Il semblerait qu'ils soient tous parvenus à la même conclusion, c'est que leur catastrophe était due à un problème sur leur côté émotionnel. Ils ont donc décidé d'enlever ce côté émotionnel de leur complexe corps-esprit. Et ils ont aussi créé une structure qui faisait qu'un stimuli extérieur proposait l'information à tout le monde. Et même s'ils avaient déjà beaucoup fait de pas vers leur ressemblance avec un peuple à l'esprit de ruche, il restait quelques diversités de pensée parmi leur population. Et chacun ayant son point de vue, comment améliorer l'existence à son plus haut niveau. Certains sont devenus plus bienveillants que d'autres, mais tout ça était une question de point de vue. Comme on l'a mentionné, Apex était déjà le lieu d'un grand mélange génétique et de nombreuses races avaient fait des essais. Les Apexiens, semblerait-il, ou les Apex, avaient un genre génétique assez humain et ce sont les problèmes nucléaires qui ont accéléré les mutations et provoqué. Maintenant, quand on parle des autres qui ressemblent moins à des humains, je pense que c'est ceux qui sont dessinés là à gauche, qui sont tout de même humanoïdes, mais beaucoup plus insectoïdes ou reptiliens d'apparence. Il se pourrait que ce fût une race qui avait été créée par les Verdants, alors qu'ils ensemençaient aussi la planète Terre avec les dinosaures, par exemple. Si j'ai bien compris. L'ingénierie génétique est un jeu pour les dieux et elle est extrêmement répandue dans l'univers. Donc, on va appeler Dieu toutes les entités qui ont un peu plus de capacité que l'humain. Ils ne sont pas gênés pour s'appeler comme ça, alors que parfois, ils sont défaillants par rapport à nous. N'oublions pas un truc, c'est que des vidéos dernières à propos de l'hypnose régressive russe, il est sorti qu'un humain avait le pouvoir de tuer mentalement un gris, s'il le désirait. On a un peu perdu la méthode, a priori, puisqu'on a transformé ça, ou bien elle est bouffée par la peur qu'ils savent très bien entretenir chez nous. Donc, il y a là un terrain d'étude intéressant, je pense, pour qui s'y connaît et s'y intéresse. Fin de l'encart. Donc, il semble que ce soit le lieu commun de toutes les civilisations de finir à ce niveau-là de créativité possible et d'essaimer dans l'univers. Des hybrides, ou des eux-mêmes en plus, en amélioré. Enfin, je ne sais pas trop, mais enfin, c'est la croissance continue hein, chez eux aussi. Et d'ailleurs, même l'humanité a déjà commencé ce genre de travaux, par exemple, dans la zone 51, hein, à Dulce, je suppose. Il y a déjà des expériences génétiques, semblerait-il. Mais il me semble que c'est en 2010 que les Anglais avaient admis avoir créé déjà des expériences génétiques entre la race humaine et des races animales dans leurs dumps, Deep Underground Military Bases, leur base militaire secrète souterraine, profondément enfouie. Fin de l'encart. Les résultats de ces expériences génétiques ne sont pas toujours heureux et parfois les résultats sont détruits en masse et parfois les pauvres résultats sont laissés à leur triste sort sur la planète et les dieux les abandonnent. Le type de gris reptilien dont il parle n'est pas du tout rare dans la galaxie et dans l'univers, mais il y en a de nombreuses espèces et sous-espèces. Ici sur Terre, aujourd'hui, on a plutôt des vues négatives sur les gris. Mais en fait, il ne faudrait pas vraiment tout généraliser. Il y a toujours certains d'entre eux qui n'ont pas vraiment les mêmes idées que d'autres, surtout quand ils n'ont pas l'esprit de ruche, hein, quand ce n'est pas des terminaux d'ordinateur, comme cela existe et comme cela a été créé par notamment les Anglais, mais d'autres aussi, je suppose.
Et là, je parle des Anglais parce que dans la série The Bays Project, bon, c'est en anglais, la vidéo 1 et peut-être 2 ou 2 et 3 et 4 traite de quelqu'un qui a travaillé autour de la base de Pismour, me semble-t-il, et qui s'est lui-même fait abducter, et puis qui a été aussi chauffeur de camion, et qui faisait des livraisons, et qui a vu ce genre de PGLF, qu'on appelle, c'est-à-dire des formes de vie programmables. Des formes de vie génétiques. Hein, programmable, genetical, life form. Donc, il revient sur le fait qu'il faut arrêter de mettre tous les aliens dans une catégorie bon ou mauvais. Alors, a priori, en général. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut, par contre, généraliser à toutes les races. Toutes les races ne sont absolument pas toutes purement mauvaises ou purement bonnes. Quoique, s'il y en a qui nous considèrent vraiment comme du bétail sous-développé, hein, comme nous, on considère des huîtres, par exemple, là, je ne vois pas ce qui les empêche. Je ne sais pas. Il est peut-être très optimiste, là. Donc, en fonction de leur génétique de base, parmi les gris, il y en a qui ont plus de lyriens, par exemple, ou d'autres qui ont plus de gènes qui les ont poussés à avoir une voie plus spirituelle. Et donc, il y a une grande diversité de personnalités en fonction des différents itis, voilà, en général. Et même chez les reptiliens, donc. D'ailleurs, il y a des luttes entre les dracos, les reptiliens, les raptors, d'autres encore. Je crois d'ailleurs que les raptors ont fait alliance avec la Navy dans leur programme spatial secret et sont en rébellion contre les reptiloïdes et les dracos. Enfin bon, hein, tout ça, on suppose. Bien, on va faire une pause là. Et je vais écouter un petit peu pour voir si ça vaut la peine de continuer à traduire. Sinon, donc, on a fait un petit tour sur les origines de nos gris qui sont maintenant en état réticuli et qui avant étaient dans le système de la lyre. Et je crois qu'il y a une partie de l'humanité aussi qui provient du système de la lyre. Enfin, qu'on a une certaine part de grande génétique lyrienne, voire lyrique pour certains. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi et si ça vous a plu, à bientôt. Et sinon, ben bon courage, ne vous inquiétez pas, c'était déjà comme ça hier, hein, même avant-hier, on peut le dire. Alors, bon courage et salut. Ciao.